L'étape que je vous propose dans le chemin initiatique de l'invisible à l'incarnation, c'est une étape très dense et très profonde, puisqu'elle se terminera par une hutte de sudation. Et les 4 jours qui prépareront ce rituel seront des jours qui vous permettront de descendre dans le monde sensible, afin que la hutte ne soit que la continuité d'une démarche de profondeur. Le sacré n'est pas du tout le même que dans les religions monothéistes. Le sacré amérindien, c'est simplement la vie qui est sacrée. Et donc, c'est un état de communication, c'est un état de connexion et c'est un état d'humilité. Et nous avons peut-être une façon d'aborder les huttes comme on aborde une église et pour certains un challenge dans un hammam un peu chaud. Ce n'est pas ma façon de la pratiquer et je vous invite à descendre dans cette rencontre particulière, dans cette dimension particulière où l'âme rencontre peut-être ses ancêtres, mais en tous les cas, rencontre la vibration qui soigne, la vibration de la médecine de la Terre. Alors, si vous êtes intéressé, je me ferai une joie de vous accompagner dans cette hutte particulière, la hutte des nouveaux chamans, c'est-à-dire ceux qui acceptent leurs origines occidentales, ont ouvert l'Indien en eux, et de fait, aujourd'hui, réunissent les deux pour rencontrer l'univers dans sa simplicité et dans sa vibration d'amour. À bientôt, j'espère. Au revoir.